Qui aurait cru que l'humanité survivrait à l'année passée ? Et heureusement, notre civilisation avait une solution pour tous nous sortir de cette situation. Le gaming ! Quand ils ont annoncé qu'on devrait rester enfermés chez nous, la première chose que je me suis dit, c'est... J'ai jamais joué à autant de jeux en 365 jours. 80 jeux, plus de 1000 heures au total sur l'année. Et en 2021, l'université de Cambridge publie une étude qui rapporte que les joueurs ont 25% moins de chances d'être dépressifs par rapport à la moyenne. Non, sans blague! Il fallait pas attendre d'être confiné pour s'en rendre compte. D'ailleurs, tout le monde s'en est rendu compte très vite, vu qu'on ne peut plus trouver une putain de carte graphique ou de console en 2021. Même des potes que je n'avais pas vus en ligne depuis des années ont débarqué pour partager des moments de jeux vidéo. Oh merde. Mais je vous croyais mort, Decker. Et ça c'est cool, pour nous et pour le jeu vidéo dans son intégralité. Welcome to the Jean-Baptiste Show! Oh, come on! Déjà, quoi de mieux pour renouer une amitié de longue date que de se poignarder dans le dos avant de s'éjecter dans le vide spatial? Mais oui, Among Us, Innerfoss ont tout compris. Contrairement aux loups-garous, ils ont pensé à nous occuper après la mort, à laisser les parties paramétrables, à vendre le jeu au prix d'un kebab vegan, et même à le proposer gratuitement sur mobile pour ceux qui galèrent. C'est fou que le jeu existe depuis 2018 et qu'il ait fallu 2020 pour qu'il explose. Puis dans le genre flageolé sur pattes, il y a eu Fall Guys, qui a explosé tellement fort que plus personne n'y joue. En même temps, je me tiens à vous dire que les Battle Royale, c'est de la merde, faut passer à autre chose maintenant. Pourquoi s'entretuer quand on peut sillonner les mers à la recherche de trésors oubliés? Au son des voiles gonflées par le vent et de l'accordéon de Dylan qui sait pas putain de jouer parce qu'il est encore bourré! Vous vous rappelez quand je vous disais en 2018 que Sea of Thieves, il sera un bon jeu d'ici 2020, je pense après des tonnes de patchs et beaucoup plus de contenu? Bah du coup c'est bon, ils nous ont fait une No Man's Sky comme on dit dans le milieu. Vous pouvez y aller sereinement. Sinon vous trouverez aussi State of Decay 2 dans le Game Pass, qui a également été patché, histoire de se changer les idées entre potes, en s'occupant de survivants qui peuvent mourir de la moindre mauvaise décision suite à une apocalypse zombie déclenchée par une pandémie mondiale. Quoi ? Ne regardez pas comme ça, c'est vraiment bien ! Un mélange original de jeux de tir à la troisième personne et de RPG, avec de la construction de base et suffisamment réaliste et punitif pour être immersif. J'ai aussi refait des LAN de StarCraft quand on a eu le droit de sortir. Ben franchement, les jeux de stratégie en temps réel, on a tendance à oublier comme c'était bien. Dans mon élan de nostalgie, j'ai aussi relancé les Dawn of War du coup. Parce que les croisades au 41e millénaire, c'était quand même sympa. I declare exterminatus upon the imperial world of Typhon Primaris. Ok. I hereby sign the death warrant of an entire world, and consign a million souls to oblivion. The Emperor protects. That's interesting. Mais ce n'était pas encore assez boomer à mon goût. Donc j'ai acheté le remaster de Command & Conquer. Oui oui, j'ai bien acheté un remaster, en plus édité par EA. Et le pire, c'est que j'en suis content. Parce que les remasters, quand c'est pas du foutage de gueule pour justifier de revendre le jeu plein pot, c'est joli, mais ça n'a plus rien à voir avec la direction artistique et l'ambiance de base. Et je ne parle même pas des remakes qui ne proposent même plus le même gameplay ou le même scénario. Est-ce que ce ne serait pas mieux de faire une suite? Ou attendez, idée de génie, utilisez cet argent pour faire un jeu original. Je sais que ce n'est pas la vie générale, mais quand je pense à un vieux jeu, bah j'ai envie de revoir ce que c'était. De revivre l'expérience qui a façonné les générations suivantes. Mais dans le confort d'utilisation et technologique d'aujourd'hui. Et c'est exactement ce que propose Command & Conquer Remastered Collection. Jouer en haute résolution, à haute fréquence d'image, avec des contrôles modernes et un respect de la direction artistique de base. Et d'une touche, on peut revenir en 1995, pour ceux qui comme moi restent sensibles au pixel art d'origine. La bande originale a aussi été remasterisée, les cinématiques retravaillées par IA, et le jeu est bourré de making-of de l'époque, numérisé pour l'occasion. Je ne vois pas de meilleure façon de revivre le jeu qui a popularisé la stratégie en temps réel. Ah si, en fait, vous pouvez jouer à Alerte Rouge, qui est aussi dans le jeu, tout autant ridicule dans son scénario et bien mieux équilibré. Comme quoi, il suffisait de donner des sous à Petroglyph, constitué par des anciens de Westwood, qui avaient fait le jeu d'origine. Qui l'eût cru ? Eh ouais, c'est pas les idées qui vous manquent. C'est la conviction de devoir les réaliser. Même chose avec Neversoft qui file un coup de roue à Vicarious Vision sur Tony Hawk Pro Skater 1 et 2. Très bien aussi. Sinon, pour rester sur le thème du recyclage, Call of Duty. Bon, en vrai c'était pas mal. Je parle de Modern Warfare, hein. Non, pas celui-là, l'autre. Celui qui n'a pas du tout exactement le même nom. Comment ? Comment quoi ? J'ai rien compris. Bah franchement, à part la campagne qui sert de spot publicitaire à l'arme américaine, le reste du jeu est sympa. C'est incroyablement joli.
Bon, alors ça reste Call of, hein. Faut courir partout, sauf sur les murs, et où camper est un métier. Mais j'avoue que le mode Warzone amène des petites idées sympas. On sent qu'Apex est passé par là, mais les contrats, le goulag et surtout le mode pillage m'ont rappelé mes pics d'adrénaline sur DayZ ou dans la Dark Zone. Lorsque j'étais chargé d'équipement jusqu'au cou, la sueur au front, parce qu'il fallait que je coure à découvert pour rejoindre ma tente ou ici l'hélicoptère. Et en pillage, la possibilité de réapparaître indéfiniment permet de retrouver cette tension entre plusieurs groupes de joueurs pour le contrôle de certaines zones. Non, très sympa. En plus, c'est gratuit. Nice. Pas assez immersif? Attendez, je vais voir ce qu'il vous faut, mon brave. Post-scriptum. Pas mal, non? C'est français. J'ai lancé ma première partie, à peine connecté, un joueur m'a demandé de monter dans un camion pour rejoindre le front. J'avais passé que 10 minutes sur le stand de tir. Une fois dans les champs, j'ai commencé à avoir une boule au ventre. Je ne connais personne. Une balle ricoche dans un caillou à 20 mètres de moi. Je ne vois personne à l'horizon. C'était ça la guerre? Mon chef d'escouade m'aperçoit, complètement perdu. Une chèvre, tu viens vers moi? Il me rassure et m'explique qu'on va les contourner par la forêt. Il était vraiment sympa. Alors on y va. Avec une chèvre, on va vers le point mouvement que j'ai mis, on posera une radio. Comme ça on pourra attaquer par... Oui, c'était ça la guerre. J'ai vécu mon premier syndrome post-traumatique. Quand je ferme les yeux, je l'entends encore. Une chèvre, tu viens vers moi? Rien n'était scripté, la communauté est géniale, c'est addictif, jouez-y. Par contre, j'ai quand même eu besoin de souffler. Alors je suis allé me faire une petite rando, ou comme disait Churchill, a short hike. Au début je me suis dit, c'est moche, puis j'ai trouvé ça mignon. C'est tout con, vous êtes un oiseau qui doit grimper en haut d'une montagne. Ça ressemble beaucoup à un Zelda dans l'ambiance, mais un Zelda super court sur une petite île. Et ça c'est cool, les jeux courts. Même si on s'y perd en essayant de rendre service à tous les habitants, parce que mine de rien, on finit par s'y sentir bien dans les plumes de short hike. Ça ne révolutionne rien, mais on y passe un moment simple et chaleureux. Et finalement, on n'en a pas tant que ça, des moments simples et chaleureux dans nos vies. Expérience courte aussi, super luminale. Vous avez aimé Portal, Cube, Stanley Parable, Antichamber? Ok, c'est bon, c'est pour vous. C'est un jeu non euclidien et ça va vous retourner le cerveau. Son seul défaut vraiment, c'est qu'il est trop court. Je ne peux pas vous en dire plus, ça gâcherait l'expérience. Mais voilà, c'est inévitable, les tambours de guerre se sont mis de nouveau à résonner. J'ai essayé de les apaiser avec le simplissime mais affreusement efficace Bad North, un petit roguelike viking qui vous propose de tenir les plages d'une petite île, face au débarquement des armées barbares. C'est tellement simple que ça pourrait être une exclusivité mobile, mais ça score suffisamment vite pour que face au navire qui s'apprête à fendre la plage, vous hurliez à votre écran. C'est pas moi. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Mais les tambours de guerre n'ont pas cessé, car il était temps pour moi de participer à un débarquement d'une toute autre envergure. Oui, c'est le moment de vous parler de 7 jeux, auxquels j'ai joué en 2020, mes 7 péchés capitaux que j'ai adorés malgré leurs défauts, et auxquels il faut jouer dans une pipe en bois espagnole. Avancez vite et évitez les trous de mortier! Protégez vos armes du sable! Je veux des actions nettes! On se retrouve sur la plage! Évitez les trous de mortier! Là est une des forces de Battlefield 5, proposer des théâtres d'affrontement rarement vus, comme le Pacifique, la Norvège, la Grèce ou encore le Pays-Bas, tout en réussissant à recréer l'ambiance et le spectaculaire du cinéma hollywoodien. J'avais presque oublié comme la recette Battlefield fonctionnait bien, car je ne vous parle pas ici du Battlefield 5 de 2018, mais bien de celui de 2020, qui après sa polémique a revu à la baisse son système de customisation, mais a surtout amené énormément de rééquilibrage et beaucoup de contenu, armes, véhicules et cartes. Puisqu'il y a désormais 19 cartes différentes en percée. Oui, gratuitement, pas en DLC payant. Et elles sont à couper le souffle, couplées aux météos extrêmes et à la destruction de l'environnement, on ne sait plus où donner de la tête. Mais c'est aussi devenu plus tactique, avec la possibilité de relever les membres d'escouade, d'appeler des tirs d'artillerie, de construire et renforcer des avant-postes, ou de tracter de l'armement sur le front.
Si vous aimez le spectaculaire, jouez-y. En plus, vous pouvez désormais y jouer pour une poignée d'euros car il a rejoint le Game Pass. Pendant qu'une grosse partie de l'équipe de CD Projekt Red bossait sur le jeu le plus attendu de la décennie, Wake the fuck up, Seth. Oui, on va enfin en parler dans la prochaine vidéo, pas d'inquiétude. Une petite partie de l'équipe qui avait bossé sur The Witcher et son jeu de cartes Gwent a sorti tranquillement, sans pression, un excellent RPG, Thronebreaker. Et j'étais passé complètement à côté en 2018. Je m'attendais initialement à un jeu de cartes en solo avec un peu de narration, et je me suis retrouvé avec un RPG à l'isométrique affreusement bien écrit et du Gwent en rab. A game of Gwent. How about it? Pour la petite histoire, vous allez y incarner Maeve, reine de Lyrie et de Rive, dans sa guerre contre l'immense empire de Nilfgaard. Plusieurs années avant The Witcher 3, autant dire que ça rigole zéro. La mise en scène est excellente, avec une quantité de plot twists à vous faire des arrêts cardiaques toutes les deux heures. Mais surtout, une qualité de doublage et d'écriture d'une ribambelle de personnages tous très réussis. Oh, une reine! Bah ça alors, dans ce cas-là... Une ombre immense traversa le ciel. Le nain ravala la suite de sa formule de bienvenue, et tous levèrent la tête. Un dragon filait vers le mont Carbone. Ils vont vous poser des dilemmes moraux constants, absolument atroces, car la moindre de vos décisions, aussi ridicule soit-elle, vont avoir un impact irréversible sur chacun de leurs destins. C'en est presque traumatisant, au point de ne plus savoir répondre à des questions basiques. Tu veux du sel? Mais j'en sais rien! Est-ce que tu vas t'ouvrir les veines si je te dis non? J'ai rarement eu autant l'impression de façonner mon histoire par mes choix. Au départ, ça peut sembler punitif, mais au final, comme dans la vie, on apprend à assumer ses choix et à faire face dignement à l'adversité. Je prie pour que Mère Militelle veille sur votre bon cœur. Priez pour qu'elle veille sur les vôtres. Si j'apprends que vous abritez encore des bandits ou que vous mentez à mes officiers, je reviendrai brûler vos maisons, vos champs et vos vergers. Compris ? Et la cerise sur le gâteau, bah c'est le Gwent, qui a réussi à être épique alors que c'est juste un jeu de cartes. Certes, un jeu de cartes très original, engageant et superbement designé et modélisé, mais surtout un jeu de cartes qui possède un réel enjeu. Car certaines cartes représentent des personnages qui ont une histoire, une personnalité, et qui pourraient très bien évoluer ou nous quitter avant la fin du jeu, suite aux conséquences de nos choix, les rendant aussi éphémères que les rencontres de notre quotidien, et donc tout aussi précieux. Je vous ai dit que le jeu était disponible sans DRM chez GOG et qu'il était aussi sorti sur Switch? Bah voilà, c'est fait. Knights of the Old Republic 2, Sith Lord. La suite du premier jeu de rôle 3D de BioWare avant qu'il se lance sur Mass Effect. Mais le 2, lui, a été développé par Obsidian. Oui, les gens qui ont fait Fallout New Vegas, Stick of Truth, les Pillars of Eternity ou encore The Outer Worlds. Bah KOTOR 2, c'était leur tout premier jeu. Du coup, LucasArts leur a demandé de le faire en moins de 15 mois, pour au final leur laisser 11 mois, oui, 11 mois, pour faire une suite au meilleur jeu de l'année 2003. Et le pire pour eux, c'est que Bethesda leur feront le même coup pour New Vegas. L'équipe avait tout donné, jusqu'à couper des pans entiers du jeu à la dernière minute, pour sortir à temps. Et forcément, fin 2004, le jeu est sorti inachevé, mal optimisé et buggé jusqu'à la moelle. Comme quoi l'industrie n'a pas tant changé que ça en 17 ans. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais 5 ans plus tard, des fans du jeu vont se regrouper pour développer un patch colossal qui va fixer tous les bugs du jeu et restaurer tout le contenu qui a été retiré avant la sortie. Après 3 ans de labeur, c'est donc en 2012 que sort la version finale du Restored Content Mode, désormais disponible en version française, qui permet de jouer au jeu tel qu'Obsidian l'avait pensé. Et c'est à ce jeu-là que j'ai joué en 2020. Malgré que ce soit leur premier jeu, Obsidian ont eu une écriture beaucoup plus mature que celle de BioWare un an plus tôt. J'ai trouvé le scénario original est vraiment sombre pour l'univers Star Wars. À plusieurs reprises, certaines questions que pose le jeu transcendent la fiction pour nous faire questionner notre vision de la justice et des autres, voire à carrément nous rentrer dedans. L'apathie, c'est la mort. C'est pire que la mort, parce qu'un cadavre putréfié nourrit au moins la vermine. Le jeu ne se vante pas de son ton parfois métaphysique, mais de temps en temps, il aime questionner, sans donner de réponse. Et c'est à la discrétion du joueur d'y réfléchir, ou non d'ailleurs. Se détourner des tentations et de ce qui peut engendrer la peur, ce n'est pas être fort. Il faut faire face. Je vous ai vu souvent faire preuve de pitié et de charité. Même si cela affaiblit ceux que vous aidez, même si cela les prive de la force nécessaire pour se développer,
Bon, ben lui, il va me prendre la tête. Même sans ça, on prend plaisir à découvrir le développement des divers personnages, à parcourir ces mondes qui ont tous différentes histoires à raconter, et à s'enfoncer confortablement dans le sofa en velours qu'est le gameplay du premier KOTOR. Avec son inventaire et système de progression dense, son système de karma et ses combats en temps réel posables, où on peut contrôler n'importe quel membre de notre petite équipe. Certes, le jeu a vieilli, et il se traîne un peu. Même avec le Restored Content Mode, il semble moins soigné que le premier KOTOR. Mais sa narration le porte suffisamment haut pour qu'il n'ait pas à rougir, même 17 ans plus tard. Alors à moins d'être allergique à la science-fiction, ce serait dommage de passer à côté de certains des personnages les plus charismatiques de tout l'univers Star Wars, d'une excellente suite au premier opus, et d'une période suffisamment riche et captivante pour que les prochaines productions cinématographiques de Disney souhaitent s'y dérouler désormais. Chuter est un processus très calme. Il est bien plus terrible de l'admettre. Bon, je n'ai toujours pas changé d'avis depuis mon test, j'ai détesté aimer The Last of Us Part 2. Et j'ai toujours pas l'intention de vous spoiler. Quel enfer ce jeu! Jamais on n'avait autant joué avec mes sentiments. Combien de fois j'ai posé la manette en me disant « Non, c'est bon, j'en ai assez de détester, du dégoût, et surtout de pleurer !» Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? C'était une expérience aussi éprouvante que quand j'ai fait Alien Isolation en 2014. J'en ai encore la colonne vertébrale qui se tend à y repenser. Je ne pouvais pas faire des sessions de plus de 2 heures parce que ça me stressait à un point insoutenable. Pourtant, Alien Isolation est un chef-d'œuvre à tellement de niveaux. Tout est millimétré dans sa mécanique, son ambiance sonore et ses visuels pour livrer cette expérience. Aucun autre média en dehors de jeux vidéo n'aurait été capable de me mettre dans cet état précis. J'étais dans le jeu. Hanté par l'idée d'être la proie de quelque chose d'imprévisible, à la fin irrassasiable. Et The Last of Us Part 2 propose quelque chose de tout aussi éprouvant, mais dans un autre registre. Je ne vais pas refaire mon test ici, vous le savez. Visuellement, en termes d'animation et de level design, tout est d'une maîtrise désarmante. Le studio a atteint un tel degré de perfectionnisme maladif qu'il en a cramé la moitié de ses développeurs et acquis une triste réputation dans le milieu. Je vais plutôt prendre le temps de rappeler ici que parfois, on ne fait pas suffisamment preuve de sensibilité face à une œuvre, parce que nous ne sommes pas disponibles émotionnellement, ou que ce n'était juste pas le bon moment. Par exemple, Uncharted 4, que j'avais déjà trouvé d'une rare maîtrise dans son rythme et ses environnements, m'a fait réaliser que lors de mon test, j'avais vu la sensibilité d'un parpaing. J'ai pris de plein fouet la narration en le refaisant, comme si j'avais oublié, comme si tout faisait soudainement sens, comme si le jeu me parlait, je me voyais dans Nathan Drake, je le comprenais. Et à ma grande surprise, dans la première partie de The Last of Us 2, Ellie m'a fait écho comme rarement un personnage de fiction ne l'avait fait. Je me suis vu quand j'ai vu Ellie, et j'ai traversé avec elle chacune de ses émotions. J'ai vu dans ses proches le regard des miens. C'est ce qui est fort avec ce média. Il nous fait vivre l'histoire d'une inconnue. On s'attache à elle ou à lui, à son entourage, ses rêves, ses peurs, parce qu'en réalité, en la jouant, on acquiert son expérience, ou parfois on revit la nôtre. En comprenant soudainement un personnage, on a de l'empathie pour lui, et on finit par se comprendre soi-même. Parce qu'on ne regarde pas le jeu, on le joue. Tout comme un acteur qui jouerait le rôle d'un personnage qui lui offre une perspective extérieure sur lui-même. Contrairement au cinéma, aux séries ou aux livres, qui peuvent nous faire aussi cet effet, ici le fait de vraiment jouer les événements, de faire avancer l'histoire, et même dans certains jeux d'avoir des choix, nous crée des réactions conscientes ou inconscientes beaucoup plus fortes. Parfois, j'ai pleuré pour Ellie parce qu'elle ne pleurait pas pour elle. Mais au fond, je pleurais aussi enfin pour moi, parce que quand j'étais à sa place, je n'ai pas pleuré non plus. Et maintenant, j'ai conscience que je portais avec moi ce fardeau, et que comme Ellie et Nate, je refusais de voir la direction que je prenais. Grâce à cette empathie qui fait notre humanité, l'expérience peut devenir une introspection. Le jeu ne vous fera peut-être pas autant d'écho qu'à moi, et il n'y a rien de grave à ça. Mais si vous y jouez et le laissez vous approcher, bouclez votre ceinture, parce qu'émotionnellement, ça va secouer. J'espère qu'il arrivera sur PC, ou au moins dans l'offre streaming de Sony. You can't stop this. Bon, je ne vous remercie pas, vous m'avez encore recommandé un jeu beaucoup trop bon pour le bien de ma vie sociale. Je vous déteste profondément. Jusqu'ici, j'avais approché la série Civilization de loin, n'ayant jamais eu le courage d'apprendre à vraiment y jouer. Et vous aviez tellement insisté dans les commentaires en 2019 que je me suis dit, pourquoi pas. Mais quelle erreur! Ce jeu est tellement bon et riche. La progression y est affreusement satisfaisante et aucune partie ne se ressemble. Il y a tellement de mécaniques à découvrir et de possibilités. Le principe est tout bête. Vous choisissez une civilisation, vous posez votre première ville et c'est parti.
Ça se passe en tour par tour, et heureusement d'ailleurs parce que niveau tutoriel, c'est assez maigre, mais la communauté est suffisamment présente en ligne pour que ça se passe bien. On explore alors la carte de tuile en tuile, on rencontre ses voisins, on bâtit des merveilles, on met en place un gouvernement, on fonde une religion, on fait évoluer la culture, et on progresse en science au fil des âges. C'est vraiment mignon, l'interface est jolie, plus on en apprend, plus on a envie d'y jouer pour améliorer sa civilisation. Puis on prend une bombe nucléaire dans la tronche alors qu'on venait à peine de découvrir la poudre. Sacré Gandhi. Toujours le mot pour rire. What a jerk. Mais ce que j'aime dans Civilization, c'est qu'au-delà de sa richesse et de sa rejouabilité, qui fait que c'est clairement le jeu que j'emmènerai sur une île déserte, l'anéantissement n'est pas la seule victoire. Car si la majorité de la planète est convertie à la religion de la Jean-Maçonnerie, vous avez gagné. Si technologiquement vous êtes le premier à conquérir l'espace, vous avez gagné. Si votre culture est la plus rayonnante, c'est aussi gagné. Et si vous avez les DLC, la diplomatie est également une victoire possible. Il n'y a pas qu'une seule façon de remporter une partie. Alors on surveille ses voisins et on apprend même à improviser. Parce qu'après tout, quand on a une fusée spatiale, on n'est pas si loin que ça d'une ogive. Hein Gandhi ? You stupid son of a bitch ! Les IA sont franchement correctes, et en multijoueur, c'est le faux et rassuré. Je n'ai pas encore passé assez de temps sur les DLC, mais rien qu'avec les mods Steam, je m'éclate sur la version de base. Tout ça me fait attendre le Humankind d'Amplitude Studio avec impatience, pour voir ce que nos petits français préparent pour piquer une part du gâteau de Sid Meier's. Bref, n'y jouez pas si vous tenez à votre temps libre, mais jouez-y quand même. DOOM ! Ah, vous avez cru y échapper, hein, bande d'hérétiques ! Mais personne n'échappe au Doom Slayer ! J'en ai rêvé la nuit d'un fast FPS comme celui-là, et ID Software l'ont fait. Tout est tellement parfaitement calibré, c'est beau et superbement bien optimisé. Le rythme est impeccable, le level design a été pensé et repensé, ça se voit. Tout est tellement mieux que le précédent, qui était déjà franchement très bon. Sauf peut-être la bande originale, qui est un poil en dessous, mais là je chipote. La progression et l'équilibrage des mécaniques qui sont mises à disposition du joueur sont plus que réussis. C'est simple, quand j'ai fini le jeu en mode cauchemar et que je l'ai refait, je n'étais plus le même joueur. J'étais devenu une machine à découper du démon. Et qu'est-ce que c'était bon d'avoir une sensation de puissance qu'on m'avait pour une fois permis de mériter, qui ne m'avait pas été servi sur un plateau. De partir le sourire jusqu'aux oreilles pour retrouver cette ambiance déjantée et découvrir en chemin des mécaniques affreusement grisantes. Non mais sérieux, je ne sais même pas pourquoi je devrais en parler plus. Allô, vous allez partir chasser les démons à la tronçonneuse, du fin fond des enfers jusqu'au 7ème ciel, avec du metalcore plein les oreilles. Il vous faut quoi de plus niveau divertissement ? Respectez-vous ! En plus, c'est une activité approuvée par presque tous les dieux. C'est quoi encore ces conneries ? Ah, Crusader Kings 3. Mais quel jeu, quel jeu. Je n'ai jamais arrêté d'y jouer depuis septembre 2020. Un des jeux stratégie et de gestion les plus intenses et complets auxquels j'ai pu me frotter. Mais pas que. Déjà, il est beaucoup moins repoussant que son grand frère Crusader Kings 2, qui profite certes de 7 ans de mise à jour, mais qui était horrible à prendre en main. Alors que là, le bel étalon qu'est Crusader Kings 3 est beaucoup moins à voir en information pour les débutants. Il vous prend délicatement par la main en vous susurrant à l'oreille. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. Et tout ça m'appartiendra ? Absolument tout. Et là, je vous entends déjà me dire « Mais JB, c'est quoi le but du jeu ? Mais est-ce que le jeu, il vous demande, lui, c'est quoi le but de votre existence ? Non ! Enfin, certains jeux aussi, mais pas Crusader Kings 3 ! Lui, il est là avant tout pour vous générer à chaque partie des histoires plus improbables et mémorables les unes que les autres. Prenez ma première partie, par exemple. Comme je me respecte, j'ai choisi de démarrer en 867 avec le comte Guilhem de Lyon, parce que Lyon, c'est la capitale de la France. Si, 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 vous allez voir. À 22 ans, j'avais déjà un fils de 5 ans, Guilhem de Forez. Oui, dans la famille, on n'est pas inspiré sur les prénoms. Mais j'avais aussi un rêve, faire renaître l'empire de Charlemagne de ses cendres. Tu ne seras pas empereur. Tu vas baisser d'un ton direct, Dumbledore. La plupart des gens vomissent la première fois. What ? Pour ça, j'allais avoir besoin de prestige, pour me faire un nom, d'alliés puissants, d'une armée et d'un paquet d'or. Et ce n'était pas gagné, parce que j'avais des connaissances éclatées dans tous les domaines. J'étais pas une lumière. Mais j'étais brave, et parano, et colérique. Non mais écoutez, on fait avec ce qu'on peut, hein. J'ai donc vite compris que ma meilleure chance était de préparer l'héritage de mon fils et de bien l'éduquer. Je ne voulais pas rejouer un héritier avec des compétences éclatées au sol.
Quelqu'un rejoint ma partie. Oui, au fait, on peut jouer jusqu'à 32 joueurs. C'était le comte Conrad de Savoie, qui m'a accordé la main de sa fille, la ravissante Adélaïde, pour sceller ma première alliance avec la Savoie. J'ai suivi par la suite mon seigneur liege, le roi Louis V, dans des guerres qui ne me concernaient pas, jusqu'à pouvoir reformer le duché viennois, qui comportait désormais 5 comtés. J'ai pu faire renforcer Lyon et agrandir ses champs et mes armées par la même occasion. J'ai survécu à 2 tentatives d'assassinat d'un de mes vassaux, qui a fini par mourir empoisonné de causes naturelles, comme quoi le hasard des fois. J'ai même réussi à m'attirer les faveurs du pape. Guilhem Junior était devenu un intendant extraordinaire, un véritable bâtisseur de fortune. Il avait même eu un fils, Mathias, avec la duchesse Brigida de Toulouse, seule héritière du duché de Toulouse, qui représente une part énorme du royaume d'Aquitaine. L'avenir de ma dynastie était assuré. Je pouvais reposer en paix. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que Guilhem Junior meure à 48 ans, alors que j'en avais 65 et que j'étais encore là. Mais non ! Ah, bravo ! Alors, vous parlez d'un héros. Mais qui va hériter ? Mathias ? Mon petit-fils ? Mais non, mais il a aucune éducation, ce gamin ! Mon stress est monté en flèche. J'ai claqué 10 mois plus tard à 66 ans. J'avais tout sacrifié pour jouer Mathias le Juste. Mathias le Content. Ok. Bon, bah si vous me prenez comme ça, j'ai rassemblé les armées de mon père et utilisé mes relations avec l'église pour justifier que j'aille marcher sur les hérétiques en Provence. Proclamons la guerre! C'est la volonté de Dieu! C'est la volonté de Dieu! C'était un bain de sang, mais le duché de Provence était mien. Puis j'ai marché au nord, sur la Haute-Bourgogne. J'avais désormais des machines de siège, de la cavalerie, et bientôt la tête du duc de Haute-Bourgogne en haut d'un pic. Le duc de Savoie m'a juré allégeance si je l'aidais à conquérir l'Italie par les Alpes, ce que nous avons fait. Pour le roi ! Et après quelques croisades pour reprendre Jérusalem, j'avais suffisamment de titres et d'or pour déclarer mon indépendance. Ce qui n'a pas plu au roi Louis III, monseigneur Lige. Mais bizarrement, je n'ai pas eu trop de soucis à motiver du monde pour aller lui taper dessus. That they may take our lives, but they'll never take our freedom! Le roi s'est rendu et a même accepté de m'accorder la main de sa fille Gisèle, et nous sommes devenus roi et reine de Bourgogne. Puis ma tante est décédée, quel bonheur! J'ai ainsi hérité du duché de Toulouse, qui représente une sacrée portion de l'Aquitaine. Les tambours de guerre résonnaient à nouveau. Grâce aux revendications de ma femme, je pouvais enfin déclarer la guerre au royaume d'Aquitaine, puis à celui de la France occidentale. La guerre serait trop longue pour moi, mais mon fils Guilhem, troisième du nom, héritera du royaume et finira ce que j'ai commencé, en devenant empereur de France, avec Lyon pour capitale. Sauf s'il meurt à la tête d'une de mes armées, cet imbécile! Mais c'est pas vrai! Heureusement que j'ai prévu le coup en éduquant mon deuxième fils, John, qui meurt dans une révolte paysanne. Mais qu'est-ce que... Et je deviens moi-même possédé. Mais comment ça, possédé? Bon ben, Fulcahold, mon troisième fils, à l'image de ton père, tu as des statistiques éclatées au sol. Mais... Ah, qui tu es? Tu es mon fils, et c'est toi le roi. Alors t'as intérêt de me finir cette putain de guerre avec l'Aquitaine? Pas de temps de niaiser que le pape m'appelle pour une croisade contre les Vikings, au royaume de Frise. C'est la volonté de Dieu! Ah, c'est marrant, ça me rappelle la fois où j'avais joué le Jarl Roerk du duché de Hollande, avant que ma fille Oda fonde le royaume de Frise et devienne reine. Elle avait dû affronter sa propre sœur dans une guerre de succession pour conserver son titre, avant de la torturer en prison pour la forcer à abandonner son héritage et ses titres. C'est vrai que c'est marrant aussi dans le Nord. Et je n'ai même pas encore essayé le Moyen-Orient ou l'Asie. Crusader Kings 3 est un jeu d'une profondeur abyssale. On est toujours en train d'apprendre un truc sur son gameplay ou sur l'histoire. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à épuiser ce jeu. Et le pire, c'est qu'il est dans le Game Pass en ce moment, quand il passe pas en week-end gratuit sur Steam. Ce qui vous fait encore moins d'excuses pour l'essayer avant de craquer, et de me maudire sur 10 générations pour vous avoir poussé vers ce jeu affreusement prenant. En plus, la mise à jour de l'hiver vient de tomber, et on peut torturer les gens en leur lisant de la poésie, si ça c'est pas beau. Winter is coming. We know what's coming with it. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un immense merci à la confrérie des Jean-Maçon d'avoir trouvé un peu de temps entre 2-3 complots pour m'aider à financer cette vidéo. Et merci à vous tous de l'avoir regardé. Sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain show.